Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour un pack opening. Voilà, les packs à 25 crédits sont sortis, on va aller les ouvrir. Juste avant, je vais vous montrer vite fait la Team of the Week. Il y a aussi Salah version Fiorentina, carte Man of the Match. Vous verrez certainement ce week-end en vidéo, certainement pour tester un joueur, enfin vous verrez. Voilà, ensuite, la Team of the Week est très intéressante. Il y a trois principaux joueurs, Wayne Rooney, Franck Ribéry et notre ami Matt Hummels, les principaux joueurs à choper. Il y a quand même des joueurs intéressants à côté, du Christian Tello, du Piatti, on a du Coutinho, du Dost. Vous verrez aussi peut-être ce week-end en testant un joueur qui est vraiment très très bon. On a du Toulalan version DC, bon certes pas rapide, mais il a des bonnes contributions, de bonnes cartes. Je le testerai certainement. Sur le bon touche, on a Neto pour un gardien brésilien qui a des super super stats. Et dans l'ensemble, c'est à peu près tout, quoique le défenseur, il est comment? Quand il est le défenseur hollandais, ouais, qui peut pas mal aussi, ouais. Il peut pas mal aussi, voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité sur Twitter, le jour de la Team of the Week, qui était 19h10, j'ai chopé, même pas, j'ai chopé Matt Hummels version SIF, si je dis pas de conneries, j'ai vendu 4 millions et quelques sur PS4, c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est parti les amis, on va ouvrir nos 10 packs à 25 000 crédits, tiens, j'ai vendu un jour, c'est parfait. On va voir si on peut choper du lourd ou pas, hein, ou pas. Ce serait pas mal qu'on chope du nouveau du lourd en vidéo, ça ferait plaisir. Premier pack avec Gonzalo Higuain, on tombe sur les amis, on tombe sur Helm, ok. Alors, Maier qui aurait pu mériter d'être boost ce week-end. Enfin, dans la Team of the Week actuelle, on a du Bistrov, Campanero, Belzoglou, je sais pas quoi là. On vend, bon, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la disette du côté des packs opening en vidéo. En live, on chope toujours un peu de cartes intéressantes. Mais en vidéo, c'est la crise, donc si on pourrait y remédier, on tombe sur... Carole, ok. Un petit joueur, ouais, pourquoi pas, il pourra se vendre. Lestienne. Ok. Bon, écoutez, on verra bien. Pour le moment, ça se passe bien, on a des bons petits joueurs. Mais c'est vrai qu'elle a un petit boost, ça ferait plaisir. Ou un petit meilleur de match. Ça ferait pas mal de temps que j'en ai pas chopé un. On tombe... Ouh, Vincent Compagnie. Oh, bon pack. Avec Blachikowski et Bender, c'est pas mal, ça. Bon, allez, peut-être 30 000 crédits, peut-être. Ouais, voilà, bah, on a au moins 30 000 crédits, donc au moins un pack remboursé. C'est intéressant, c'est Vincent Compagnie, on a du Javier Pastore, du Bender, du Blachikowski, du Poli, Eltintop, ok, bon, voilà. Ça fait plaisir, un joueur à 86 de gêne. Et bon, c'est vrai que petit boost, il nous manque. Hein. Ça fait plaisir, on skip. Et on tombe sur Ronaldinho, Olsen et Oxlade, Chamberlain, Verratti, Gutierrez, Kazri, ok, on vend. Bon, c'est moyen. C'est moyen, mais bon, on a toujours le petit Vincent Compagnie, donc bon, ça fait plaisir. Allez, allez, Monsieur Griezmann, apporte-nous. Carole, mais je l'ai pas eu juste à l'heure. Ouh, Jermaine Jones. Kenwin, pardon, Jones. Elle est vraiment une très très belle carte, hein, franchement. Un bon physique, un bon 1m87. Je sais pas s'il se vend. Oui, il se vend très très cher. Écoutez, on va regarder, on sait jamais. On a du Carole, du Boetius, Calgary, Ayu, ouais, bon. Heureusement, les amis, heureusement qu'un petit Compagnie est tombé, hein, pour le moment. On est à la moitié, les amis, on va skipper. Allez, on tombe sur du lourd, on skip. Jardel, oh là là. Pintili. D'accord. Jovinko, ok, alors là, ces joueurs, pouh, voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés, de streamers, de youtubeurs qui ont chopé du lourd, notamment Neo qui a chopé Neoxyde qui a chopé Wayne Rooney. Ben moi, c'est pas le cas. Arteta, ok. Pelé, bien sûr. Sal, Charpong, bon, 4 étoiles, ok. Bon, vraiment pas intéressant, hein. C'est la disette. C'est la disette. Allez, il en reste 3, les amis, puis après on terminera par des packs à 7500. On va skipper. Alessandrini, Jardel, et on tombe sur Vieto, ok, qui était meneur de match il y a pas très très longtemps. Alessandrini, Jardel, Gonalon, Da Costa. Rumlo, bon. C'est très moyen. Allez, deux packs, les amis. Avant, dernier pack à 25 000 crédits, à 25K. On tombe sur... Ouh, Müller. Deux joueurs à 86 de général. C'est intéressant. On aurait pu tomber sur du Neuer. Mais non, c'est du Müller qui est tombé. Rojo, Di Natale. On a du Vescovac, pardon. Ok, bon. Deux joueurs à 86, ça fait plaisir, c'est vrai. Mais la carte noire, elle ne tombe pas. Bon, c'est pas grave, on va pas se perdre, on a deux cartes à 86, ça fait plaisir. Et on tombe sur le Götze. Bah bien, genre à 86, ça y va. Mario Götze, combien coûte notre ami Mario Götze? Ah bien. Ah non, d'accord. Ah, waouh, et à goût, 20 000 crédits, ok. Bon, écoutez, 3 joueurs à 86 de général, c'est intéressant.
Mais bon, voilà, c'est quand même un peu light. On va finir par une dizaine de packs à 7500, puis on s'arrêtera. Ça fera une petite vidéo du vendredi. Samedi, il y aura une vidéo. Dimanche aussi, il y aura des lives aussi, donc ne vous inquiétez pas. Eduardo Vargas, merde, je vais conserver juste ça, qui se vendra toujours un petit peu, voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit pack opening. Pour le moment, on en reste sur 3 joueurs à 86, c'est pas les meilleurs. Mais bon, ça va, hein, franchement, on aurait pu avoir de la merde tout le long. On a eu 3 joueurs à 86, donc 2 qui se vendent. Écoutez, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'un petit Man of the Match, voilà, ça serait pas mal. Achimpong. Je sais pas vous les gars, mais je trouve que... En ce moment, j'ai vraiment plus de chance sur Xbox One. Sur Xbox One, j'ai vraiment plus du tout de chance. Par contre, sur PS4, ça y va. Hein. J'ai chopé un Matumel ce mercredi, que j'ai vendu, comme je dis, 4 millions de crédits. En live, on chope du lourd. Enfin, voilà. Mais c'est que sur Xbox One, c'est un peu la crise. Ouh, Busquets, c'est pas mal. Du côté des packs opening, j'ai ouvert les packs à 25 000 crédits en off sur... enfin, hors vidéo sur PS4. Et je suis tombé sur un... Comment il s'appelle? Sur un Thibaut Courtois. Et c'est qui? Et il y a Touré, donc franchement c'était un bon pack opening, celui que vous ne verrez pas parce que j'ai pas enregistré, mais c'était intéressant d'acheter des bons joueurs. Voilà, c'est comme ça, je pense que je vais peut-être faire un peu plus de pack opening sur PS4, vu que je vois que j'ai de meilleures cartes, donc ça peut être intéressant. Oustari, ok, on prend la carte forme, on prend 1000 crédits. Bon franchement, on n'est pas fin, on a eu 3 joueurs à 86, 1 joueur à 85, avec Sergio Busquets, c'est pas la mort non plus. Jérémy Mathieu, pourquoi pas, une bonne petite carte forme, on a du Sentinelle, du Eboué, du Diaz, ok. Allez, 4-5 packs les amis, et puis on s'arrêtera là. Ce week-end, il y aura certainement un live, comme je vous ai dit, hein, vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Et je mettrai peut-être une petite annonce, voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je ferai, peut-être un pack opening, un road to D1, ou pourquoi pas jouer contre les subs. Ouh, Garay vs Sentinelle, ok, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y en aura certainement un, soit demain, donc soit samedi, soit dimanche, ou peut-être les deux. Tout dépend de ma motivation, si j'en ai envie. Quagliarella, ok. Et on aura assez. Je pense qu'on aura assez pour un deuxième pack encore. Donc avant dernier pack, quoique. Peut-être le dernier, je ne sais pas. On va skipper. Et on tombe sur... Ouh, le Gassama, Isla, Bourdisso. Ok, attends, assez... Non. Bon bah voilà les amis. J'espère que ce petit pack opening vous aura plu. On aura eu 3 joueurs à 86, 1 joueur à 85. C'est correct. Mais même si la carte boost n'était pas tombée, la carte Man of the Match non plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Cyril, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.